Allez, nous voilà arrivés à l'île de Hugon. Le massacre va pouvoir commencer. Joli troupeau de chèvres sauvages. Voilà, en fait, on est ici à la demande de l'équivalent de notre ministère de l'Environnement pour faire du prélèvement de chèvres sauvages sur ces îles qui détruisent toute la flore et les arbres locaux. Et donc, ça devient un fléau comme les cerfs. Donc, la propriétaire nous a demandé de venir chasser sur ce territoire gigantesque qui s'appelle l'île de Hugon pour prélever des chèvres. Elles sont aussi difficiles qu'approcher des vrais cervidés. Et donc on va courir de mamelon à mamelon, essayer de les couper et d'arriver à les shooter. Territoire magnifique, un joli petit lagon là-bas. C'est ça la chasse en Nouvelle-Calédonie. We'll be right back.
s'appelle les chèvres de Hugon, qui ravagent tout et qu'il faut réguler. Petit tir sympa, 53 mètres. Encore une fois, on voit bien l'efficacité des lames. Que ça continue. C'est du long shot, c'est du 55 mètres, c'est pas grave.
pour la moniquer en haut des crêtes là-haut. Depuis ce matin, j'en suis à 6 heures de marche. Pour des chèvres, c'est dur. C'est plus dur que du cervidé par moment. Mais là, avec la chaleur qu'il fait, je vais me mettre dans la mangrove sous les arbres. Je suis sûr qu'elles sont à l'ombre. Ça pourrait être la chèvre de Monsieur Seguin. C'est un tir dans cette mangrove. On le voit, plein spot, 50 mètres. Elle a fait 10 mètres, elle s'est couchée. Et voilà, un autre trophée sur cette île de Hugo. Avec ce petit Explorer modèle SS de l'année 2017. Voilà ce que m'offre encore comme bonheur la chasse en Nouvelle-Calédonie. Avec Nico, c'est rien que du bonheur.
rappeler la baisseite de l'île de Hugon. À part que celles-là, elles sont offertes, elles sont gratuites. Et c'est du tir à nos limites, en nombre et en distance. C'est quelque chose qui me convient parfaitement. Voilà pourquoi, on voit bien, hein, c'est un tir 65 mètres, un peu haut. J'ai pris troisième viseur un peu haut. Mais bon, qui a traversé, qui ressort plein cœur derrière. Elle a fait 20 mètres. C'est ce qu'on appelle la crédibilité. Cette petite expédition me permet des tirs confortables à ces distances-là. Et c'est rien que du bonheur.